Ciao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur et surtout ce qu'elle peut entraîner de pire en chacun de nous. Dans la pratique martiale, nous apprenons à gérer cette peur. Nous avons tous, à un moment donné, au cours de notre pratique martiale, appréhendé justement le combat, par exemple. Et parfois même, le fait de passer devant les autres, de montrer une forme, de démontrer par exemple un kata, enfin une forme codifiée, un kuen, que sais-je. Et il nous est tous arrivé à un moment donné de ne pas être au maximum de nos capacités parce qu'il y avait cette peur qui était présente. Et parfois, la peur peut apporter également son lot de colère. C'est une sorte de moyen de défense. Le problème avec tout ça, c'est que nous n'avons plus aucune maîtrise de nos comportements. Nous avons tous plus ou moins des phobies. Regardez dans quel état cela peut nous mettre parfois. Que ce soit les araignées, les serpents, le vide, la peur des gens aussi. Des phobies, il en existe énormément et regardons un petit peu notre comportement face à ces peurs. Nous agissons de façon complètement incohérente et illogique. Et nous pouvons même parfois en devenir agressifs. Une petite anecdote à ce sujet, il y a très longtemps quand j'étais enfant, il y a un ami à moi, nous étions dans le garage, et un ami à moi qui lui n'avait pas peur des araignées, et moi on va dire que j'étais pas forcément très rassuré avec ça, en fait j'étais terrorisé, a pris une araignée et a commencé à me la porter devant le nez. Forcément, moi pris de panique, je recule, je pose la main sur l'établi, et je saisis quelque chose qui, à ce moment-là, je ne regarde pas ce que c'est, mais je le prends et je le lève. Effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas pris conscience de ce que j'avais pris. Pour moi, c'était un bout de bois. Mais lui, en face, a bien compris que ce n'était pas un bout de bois. Effectivement, j'avais une hache dans la main. Et à ce moment-là, très honnêtement, je suis persuadé, j'en reste encore aujourd'hui persuadé, que s'il me l'avait lâché sur moi, pris de panique, j'aurais donné ce coup. Et là, c'était catastrophique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes apeuré, quand la colère aussi peut prendre le pas sur votre peur, eh bien vous êtes incalculable. Vous devenez complètement illogique et vous allez faire des actions qui ne seront plus cohérentes par rapport à vous-même. Quand la peur submerge notre esprit, nous en devenons complètement incontrôlables et nous n'avons plus de réflexion. La pratique martiale nous apprend à rester calme et zen face à toute situation. Même si cela n'est pas forcément évident et facile à faire, nous devons conserver cette capacité de réflexion, quoi qu'il arrive. Petite parenthèse, avec tout ce qui est en train de se passer par rapport à ces manifestations, vous l'aurez compris par rapport à tout ce qui se passe avec ce pass sanitaire, je reste convaincu qu'il est important de rester calme et surtout axé pour garder une certaine réflexion par rapport aux événements qui sont en train de se passer et surtout ceux à venir. Je n'arrêterai pas de dire que l'art martial nous permet de nous élever et donc de prendre connaissance du monde qui nous entoure. L'art martial n'a pas pour but de savoir frapper et taper sur les autres, même si c'est effectivement une partie. Mais essayons au moins de nous élever et de comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière. La pratique martiale doit donc nous apporter l'équilibre nécessaire pour garder confiance et le calme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.